Bonsoir à tous et bienvenue sur ce live. Ce soir, je vais aller visiter le château des Brumes, le château hanté où est décédée Elisabeth de Brumes. J'ai réussi à connaître ces informations grâce à Marie-Claire, que j'ai rencontrée et qui, il y a 50 ans, a pris ces photos. D'après elle, il n'y a aucun doute, c'est le fantôme d'Elisabeth de Brumes sur ces photos, et attention, parce qu'Elisabeth est décédée le 11 février 1922 à 21h13. Et aujourd'hui, nous sommes donc le jour du 100e anniversaire de sa mort, et je suis sûr de pouvoir filmer son fantôme. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live au Château des Brumes. Les amis, je suis déjà terrorisé, je suis déjà dans le château, merci d'être déjà là les gars. Allez, ça va aller. Vous êtes déjà énormément les gars, merci beaucoup d'être là avec moi. Merci, je vous vois tous, vous avez l'air chaud, bienvenue tout le monde. Regardez, je suis dans le château des Brumes. Cet endroit a l'air terrifiant. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on fait aujourd'hui, aujourd'hui les gars, si vous avez vu ma vidéo, vous savez ce que je fais, je suis dans un château hanté. La dame que j'ai rencontrée est sûre et certaine qu'il est hanté, et elle m'a dit qu'aujourd'hui, c'est sûr que je vais pouvoir filmer le fantôme d'Elisabeth des Brumes, parce qu'aujourd'hui, c'est les 100 ans de son décès. Ok les gars, restez bien avec moi s'il vous plaît, je vous ai mis un compteur à l'image parce que dans 7 minutes, un peu moins maintenant, ça sera les 100 ans de la mort d'Elisabeth et elle m'a assuré qu'à partir de ce moment-là, les phénomènes paranormaux vont commencer à arriver. Donc je suis déjà super en stress les gars. Allez, je vais vous montrer un truc, je ne connais pas le château mais j'ai juste fait un truc, vous allez voir les gars, c'est dans cette pièce-là, regardez. Là, ce que j'ai installé, ça s'appelle un piège caméra. Donc là, normalement, vous devez me voir depuis la caméra d'en face de moi. Est-ce que ça marche, les gars? Dites-moi dans le chat, s'il vous plaît, si ça marche. Ça a l'air de fonctionner, ok. Pourquoi je parle trop fort? Donc, les amis, ici, j'ai fait un truc. C'est que j'ai mis... Attendez, je vais vous l'allumer. Pour ceux qui regardent mes streams Phasmo, j'ai mis un détecteur EMF. Ça veut dire que si quelqu'un rentre dans cette pièce... Attendez, il faut que je vous explique mieux que ça. Donc je vous ai dit que c'était un piège caméra. Un piège caméra, ça veut dire que si quelqu'un rentre dans le champ de la caméra, comme je suis actuellement, ça va afficher la caméra sur le stream. Il faut savoir les gars que moi cette caméra je ne la vois pas. Donc si jamais quelqu'un passe dans le champ, ça peut être un être humain, un animal... ou dans le pire des cas, un fantôme, mais aussi dans le meilleur des cas, parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, je veux filmer un fantôme. Vous me bombardez le chat, les gars. Si cette caméra s'affiche à l'écran, vous me bombardez le chat, comme ça, je vois. Et en fonction de ce que vous voyez, si vous voyez un sanglier, par exemple, je ne vais pas forcément venir. Si vous voyez un truc paranormal, je descends illico. Et ce que j'ai mis là, le détecteur EMF, vous connaissez, s'il s'allume, c'est qu'il y a quelque chose de paranormal, c'est qu'il y a une entité qui est là. Plus il y a de LED allumé, plus l'entité est forte. Vous connaissez les bails. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, les gars. J'ai vu vos noms tout à l'heure, vous êtes les meilleurs. Vous avez au-dessus de ma tête, vous connaissez, il y a un bouton où il y a marqué abonnement. N'hésitez pas à cliquer dessus, les gars. Vraiment, vous me bombardez le bouton abonnement. Merci à tous ceux qui s'abonnent, les gars. Vous êtes vraiment les boss des boss. Alors, je vais lire un peu vos messages. J'ai encore quelques minutes. Est-ce que t'as peur? Je crois que vous voyez bien que j'ai super peur. Ouah, je suis en train de m'aveugler en plus. J'ai vu quelqu'un qui me demandait si je suis revenu seul. Attendez, je range juste mon téléphone. Alors oui, je suis venu seul, mais vous inquiétez pas les amis, j'ai l'impression d'être suivi déjà. Je suis venu seul, mais mes proches sont au courant que je suis ici. Ils regardent le live. Oh, regardez-moi cet endroit, comment c'est terrifiant. Mes proches regardent le live et si jamais... il se passe quelque chose, ils vont rappliquer. Donc les gars, là vous devez vous demander pourquoi je vais en haut. En fait les amis, Marie-Claire que vous avez vu dans la vidéo, elle m'a dit qu'elle a filmé le fantôme à l'étage, elle m'a dit. Mais elle se souvient plus quel étage c'est, parce que c'était il y a 50 ans. Mais je crois que c'est au dernier étage d'après ce qu'elle m'a dit. Et je sais pas combien il y en a. Ça va, on voit le bout pour l'instant.
Oh, j'ai l'impression que j'entends des bruits, les gars. En plus, tout à l'heure, quand je suis arrivé, il pleuvait beaucoup. Donc, j'entends de l'eau qui coule. Regardez ici, c'est cassé. Oh putain. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je suis en stress total. Je vois des gens qui me demandent où est-ce que je suis. J'ai pas le droit de vous. Enfin, j'ai pas le droit. Je préfère ne pas vous dire où je suis. Déjà, pour vous avez vu que le lieu est pas du tout abîmé. Pour éviter que les gens viennent ici, puis visiblement ça a l'air très dangereux. Après les dire, je parle fort, en fait je me fais peur parce qu'un coup je parle fort, un coup je parle trop fort. Merci les gars, merci de rester avec moi jusqu'à 21h13, j'ai besoin de vous. Et merci surtout à tous ceux qui s'abonnent les gars, je vois vos noms défiler à une vitesse de fou. Je fasse un truc qui fait flipper, mais surtout les gars, n'hésitez pas à cliquer au-dessus de ma tête, il y a marqué abonnement. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer, je veux que tout le monde clique les gars, donnez-moi de la force et merci beaucoup à tous ceux qui le font. Vous êtes vraiment les boss, c'est pour vous que je fais ça. Et je vous rappelle mon objectif, je vais filmer un fantôme aujourd'hui. Mais j'espère... Qu'est-ce que je fous là les gars? C'est immense. Bon, je pense que c'est là-bas. Je me dépêche un peu, je sais pas combien de temps il reste. Oh, regardez, c'est horrible. Ça a l'air d'être un peu en travaux, donc en fait... Il y a quelqu'un? J'ai l'impression d'entendre quelqu'un respirer. Il y a quelqu'un? Il y a une odeur trop bizarre, les gars. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ouais, il n'y a personne. Regardez comment c'est glauque de ouf. Ma lampe de poche, elle bug, les gars, en plus. Allez, allez, s'il te plaît. Bon, les gars, c'est terrifiant, mais je pense pas... J'ai vu un truc bouger. Bon, je pense pas que ça soit là. Vous avez vu, hein, vous avez vu la vidéo que j'ai mise pour annoncer le live. J'ai mis les photos... Putain, faut que je parle doucement. J'ai mis les photos qu'a fait Marie-Claire. Et c'était dans un couloir, les gars. Je me dépêche parce qu'il est bientôt 21h13. Est-ce que vous pensez en toute sincérité, les gars, qu'il va se passer quelque chose ce soir? Où est-ce que je vais, les gars? Ça a l'air gigantesque. Il y a une aile à gauche, une aile à droite. Et je vois pas le fond. Arrêtez de vouloir me faire peur. Là, je vois qu'il y en a qui disent derrière toi, il y a quelqu'un. J'ai vu quelqu'un. C'est l'heure, c'est déjà l'heure. Oh merde. Attendez, attendez, attendez. Mais je sais pas où je dois aller, les gars. Oh putain. Les gars, je crois que c'est là. J'ai l'impression que j'ai entendu bruit. Les gars, c'est ici, on est d'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce château? Les gars, c'est ici qu'elle est traversée, non? Ou si c'est pas ici, ça ressemble énormément. J'ai super peur. Il y a des bruits, non? J'ai trop peur, les gars. J'ai l'impression d'entendre du bruit, là. C'est dehors. Il y a un train qui passe pas loin, donc je sais pas si c'est le train ou si c'est... Est-ce qu'il y a quelqu'un? Les gars, vous avez vu la vidéo de... d'annonce du live? C'était ici, je crois. J'en suis presque sûr. Les photos, je les ai vues 1000 fois. Ça m'a l'air d'être là. Elisabeth? Il y a quelqu'un? Oh sa mère. Les gars. Je suis pétrifié, les gars. Allez.
Elisabeth? Les gars, dans la vidéo, c'était là. C'était là, d'accord? Allez, j'ai trop peur qu'il y ait quelqu'un qui sorte à gauche ou à droite. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce? Elisabeth? Est-ce que vous êtes là? C'est quoi ça? C'est vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Les gars, il y a un miroir qui est tombé, vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Elisabeth, je ne vous veux aucun mal. Je ne vous veux aucun mal, madame. Les gars, j'ai trop peur. Allez, j'y vais. Les gars, j'ai besoin de votre soutien. Hein. J'ai besoin de votre soutien. Restez avec moi. Je crois que j'entends du bruit. Attendez, je vais lire. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me suit. Attendez, vous êtes en train de voir la caméra là? Attendez, vous voyez plus ma caméra? Oh putain. Je sais pas quoi faire. Les gars, je sais pas si vous êtes en train de me troller ou pas. Il y en a qui disent dans les coms qu'ils voient la caméra du bas. Et vous avez vu quoi en bas? Il y en a qui disent que... Attendez les gars, mais il y en a tellement qui trollent que je comprends pas. Visiblement, il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Vas-y, j'y vais. Faut savoir les gars qui... Elle m'a dit que le château serait... qu'il y aurait beaucoup d'activités dans le château. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. J'ai quand même eu... Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'entends quelqu'un, les gars, j'entends quelqu'un. Oh sa mère. Oh sa mère, les gars, j'entends quelqu'un. Il y a quelqu'un qui pleure. Non, c'est pas possible. C'est ça que vous avez vu à la cam? Oh les gars, j'y vais. Faut que je me casse. Faut que je me casse ici. Oh putain. Je suis terrorisé, les gars. Je suis terrorisé. Je suis désolé. Je parle pas très fort. Faut que je me casse ici. Je suis pas tout seul ici. Les gars, ça vient de là. Elisabeth? Ça vient de là-bas. Il y a quelqu'un, les gars, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Les gars, vous entendez quelqu'un là? On est d'accord qu'il y a quelqu'un qui pleure en face de moi. Ma lampe elle bug de fou. J'y vais. Y'a quelqu'un? Personne.
personne dans cette pièce. Elisabeth ? Est-ce que c'est vous qui pleurez ? Elisabeth, est-ce que vous êtes là ? Elisabeth, je sais que vous êtes là. Est-ce que ma présence vous dérange ? Elisabeth ? Je suis désolé. Je vais partir d'ici. Elisabeth ? Elisabeth, est-ce que vous me voulez du mal ? Je suis désolé d'avoir interrompu votre repos. Je vais m'en aller. Les gars, je suis arrivé. Les gars, je suis arrivé. Ah, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça, putain, ta mère? Je vois rien, putain. Les gars, je vais tomber. Qu'est-ce que c'est ? Les gros trucs ! Les gros trucs !